Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures de The Last of Us. Alors, cet épisode-là, je l'ai enchaîné avec l'épisode précédent. Donc, si vous avez mis des commentaires, tout ça pour me donner des astuces, des conseils, ben, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre ou les utiliser pour vos conseils. Hein, parce que j'enchaîne les vidéos le temps que je puisse faire des vidéos. Hein, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Enfin, dans l'épisode précédent, hein, vidéo. Je suis toujours en train de dire le mot vidéo. Dans l'épisode précédent, voilà, je vous expliquais que j'avais pas forcément le temps en ce moment de faire des vidéos. Donc, comme là, j'ai le temps, j'en profite pour enchaîner les épisodes. Allez, parce que le jeu j'aime bien et ça m'embête de devoir attendre pour devoir jouer pour faire les vidéos. Mais bon, comme j'ai commencé le let's play, j'aimerais bien le terminer quand même avec vous. Voilà, donc on était coincé un peu dans le noir là avec toutes ces bestioles. Je ne sais pas où il faut aller, c'est un peu l'inconvénient. Donc on va. Je crois qu'il faut faire tout le tour. Enfin, je suppose. Hein, puis tout à l'heure on est en train de tourner en rond, je crois, mais bon. C'est pas grave. Lui, on essaie de s'en débarrasser difficilement. Hop, on va essayer de faire un peu de bruit par là. Voilà, donc lui ça l'attire. Hop, c'est parti. Donc ici il y a des choses à récupérer. Voilà, c'est fait. La bestiole refait demi-tour. J'ai dû faire du bruit. Donc on va essayer de passer par là. Il y a des monstres par ici? Non. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Évidemment, non. Bon, écoutez, j'ai un problème parce que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et évidemment, je commence la vidéo, il y a le train qui passe. Alors, j'ai une clé d'entrepôt. J'ai une carte d'une zone de Boston. Attendez, ce serait pas là la sortie, peut-être? Finalement. Non? Parce que là, on est bien éloigné des monstres. Ça m'embêterait de devoir passer par là, mais je crois qu'on va pas avoir le choix, évidemment. On va essayer de passer. Voilà, donc en fait quand on appuie sur L1 pour la sensation, pour savoir où sont repérés les monstres, ce qui est bien c'est qu'en se déplaçant en même temps, on ne fait aucun bruit, ou presque. Je crois que la sortie est là, à gauche. Hein. Sauf si on a fait le tour à l'envers, ça serait vraiment dommage. Ouais, on a fait tout le tour pour rien en fait. Hein. Ok, on revient sur notre point de départ. Bon, bref. Donc je sais pas ce qu'il faut faire. Tiens, dans ta gueule. J'ai pas l'air d'avoir apprécié. On va les cramer. Hein. Ah, ils vont s'enflammer tout seuls. Non? Nickel! Voilà le travail. Et je crois qu'il n'y en a plus en plus. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors on aura mis le temps, hein, mais on aura quand même réussi à se débarrasser de ces saloperies. On va pouvoir visiter tranquillement les lieux pour savoir où est cette sortie. Parce que je ne sais pas où il faut aller. Alors on entend encore des bruits de monstres, hein, donc on va faire gaffe. Toutes les portes sont coincées avec des trucs là, donc je suppose que c'est pas par là qu'il faut aller. Alors là il n'y a rien, là on a déjà visité, on s'était planqué ici. Donc là c'est là d'où on vient, voilà, avec le casier. Donc c'est pas par là, là c'est bloqué. Là il y a un petit quelque chose, qu'est-ce que c'est? Une bouteille. Je récupère. Ensuite, il doit bien y avoir un passage. Hein. Il doit bien y avoir un passage quelque part. Hein. Je pense que c'est ici. Hein. On peut pas passer. Et là, c'est bouché. Bon. Merde. C'est quoi ces conneries? Je viens d'en revoir un là. Il serait. Attends, faut pas me dire qu'ils reviennent quand même au bout d'un moment.
Oh putain, c'est ça, c'est la loose quoi. Les cocktails Molotov m'ont bien servi, j'ai évidemment j'en ai plus. Alors lui, on va essayer de le choper dans le dos. Oh non! On peut pas les attaquer ceux-là, on est obligé de les... On est obligé de les choper dans le dos quoi. Oh putain, je dois tout recommencer. C'est une blague, sérieusement. Le problème, c'est que je sais pas où il faut aller, quoi. J'ai pas compris, quoi. Ouais, je suis mort. Oh, joli. Ah, j'aime bien. Chut, faites plus de bruit. Voilà, on les réunit tous au même endroit et on va y aller à cocktail Molotov. Voilà, 3 de moins, le quatrième il vient dedans, c'est parfait. Sauf qu'il y en a qui n'a pas envie de crever, si ça va. C'est bon, ils prennent feu, ils prennent tous feu. Crevez, bande de saloperies. Voilà, donc maintenant on va pas traîner parce que j'ai toujours pas pigé où il fallait aller. Hein. Voilà, on va courir. Donc là, c'est fermé. Là, on peut rien faire. Là, au centre, c'est rien. C'est des gares. Enfin, c'est des bancs. Là, il y a une mi-temps de monstre qui fait chier. Putain, genre, ils crèvent pas, ces saloperies, quoi. Alors, où est-ce qu'il faut aller, sérieux? Y a pas moyen de passer là. L'horreur, putain. Qu'est-ce qu'elle dit, gamine? Oh là là, la misère. La misère. Voilà, hop, comme ça on n'en parle plus. On va prendre le flingue, on va recharger. Voilà, ensuite on avait le revolver aussi. Alors lui il fait une balle par une balle, c'est vraiment de la merde. Voilà. Je vais reprendre le revolver. Enfin le pistolet. Pas le revolver, le pistolet. Et Et j'aimerais bien trouver la sortie, bordel de nom de Dieu. Alors là les gens, je vais pas faire une demi-heure comme ça. Je vais faire une ellipse parce que sinon si je trouve pas, c'est pas possible quoi. Ah, mais là-bas, ah bah il me donne l'indication puisqu'il reste là-bas. Surtout, faut pas m'appeler. Alors, vous êtes ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. On va faire une petite ellipse, à tout de suite! Voilà, désolé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai toujours pas trouvé. J'aurais dû en profiter en même temps pour regarder ce qu'il fallait faire. Alors, attendez. On peut pas passer par là pour ouvrir un truc comme ça.
que c'est le guichet de métro, je sais pas. Et si on sortait le flingue? Évidemment, ça marche pas, ça serait trop facile. Et vous, vous avez rien à dire? Oh punaise, eh, fallait le voir. Et franchement, fallait le voir. Désolé les amis, si vous l'aviez vu depuis tout à l'heure, ou si vous connaissez le jeu forcément, vous allez dire, mais quel blaireau, c'est My Jean Serial. Vas-y, laisse-moi pas passer, toi surtout. Oh, l'égoïste de gosse, sérieux. Bon, je suppose que c'est pas fini. On va encore être emmerdé avec ces saloperies de monstres. Ah non, ça y en est, réussi à sortir. Putain, on a réussi. Eh, ton vocabulaire, là. Ouais. Oh, le langage de ces jeunes. Je te jure. Vous voyez plutôt bien, tous les deux. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. Je suis toujours en train de mettre des peignes en fait. C'est parce que je connais pas les touches par cœur encore. Je joue tellement peu c'est entre les épisodes que chaque fois j'oublie. Le capital est dans cette direction. D'accord. Le capital. Allez, on se dépêche parce que là il commence à pleuvoir. On va se reprendre l'inverse. Comment on franchit ce camion? Ah bah on grimpe. Voyons ce qu'on peut trouver. Oh putain, regardez la bosse. On a des petits monstres. Alors là, je vois pas comment les écarter les uns des autres. Ils sont trois. J'ai plus de briques, j'ai plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui traîne? Est-ce qu'il n'y a pas une petite brique qui traîne? Alors ils font le tour, forcément, ils croient qu'on peut passer comme ça, mais non, on va devoir forcément traverser le bâtiment. Alors par contre, il n'y a pas un petit truc qui traîne. Est-ce qu'on pourrait pas faire un cocktail Molotov? Ben voilà, un cocktail Molotov. Je crois que ça va être mon arme préférée dans ce jeu. Plouf. Et puis on va les balancer sur leur gueule. Comme ça, ils vont cramer. Parce que ça a l'air d'être la meilleure solution. Hein. Hop là. Alors, les autres, ils vont aller dessus. Non? Non, ils vont pas dessus. Oh, les enfoirés. Ah, par contre, ceux-là, on peut se battre. Allez, viens, 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 viens. Hop, ceux-là, c'est nickel. On peut leur mettre la misère. Voilà. Tout okay. Simplement. C'est parti. Ils ont été infectés récemment. Ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages, on se tire. Allez. On fout ça dehors. Ça va passer au-dessus. Je pense qu'il faut mettre là. Ok. Voilà. Nickel. Par contre, au niveau vie, c'est bon. Donc, je vais me refaire un... Non, je vais pas me refaire de cocktail Molotov tout de suite. On sait jamais sur quoi on va tomber. Si j'ai besoin, j'en ferai un. Si j'ai besoin de vie, comme ça, je pourrais me soigner. Alors, je suppose qu'il faut ouvrir. Allez, c'est parti. T'as le bruit, quoi. T'as ben maille et corps. C'est ce que j'allais dire. On accélère. Oh, allez, allez, allez. Ils arrivent. Je sais. Oh ouais, putain. Ouais. Oh, magnifique. T'as un truc sur ta chaussure. En même temps, vu le bruit du volet, c'était sûr, quoi. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Oui. Ah. Marlène
ils pensent que t'es immunisé. Alors, ouais, ah, il nous faut des tables pour améliorer. Ah, c'est cool ça. Pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. Cadence de tir. Alors j'ai pas assez. J'ai pas assez. En fait, j'ai rien. Pour explorer la ville. J'ai pas assez d'éléments pour faire ça. Quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entré? Je me suis débrouillé. Ah, qui traîne. Un truc que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Alors, écoutez leur petite histoire. Ça m'étonne qu'elle n'était pas descendue sur place. Elle a bien failli. Ah ouais. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit. Elle va s'en sortir. Allez, on se casse. Oh, encore des munitions pour le revolver. Par contre, j'ai rien pour l'améliorer, donc je suis pas prêt de l'utiliser. Faut faire gaffe quand même, parce que ça me paraît bizarre que ça soit abandonné, qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Enfin, pas de monstre à l'intérieur. En tout cas, on n'entend rien. Désolé, c'était moi. Ouais. Désolé. Il était là à peine exprès, quoi. Alors avant de monter, il y a une autre pièce à aller visiter. Donc on va y aller tout de suite. Hop, voilà. J'ai bien fait. Qu'est-ce que je trouve dans le tiroir? Absolument rien. Et là, il n'y a rien non plus. Ah si, il y a un tiroir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pièces pour récupérer, enfin pour construire comme d'hab. Et là, on revient dans la pièce principale. Ah, je crois que j'ai vu quelque chose là. Voilà, ah bah pareil. Hop, de l'alcool. Faire les cocktails Molotov. Allez, donc là on va monter à l'étage. On va visiter tout le rez-de-chaussée. Hop, t'as le sol est défoncé. Alors ici, je sais pas, ça sent le piège, non? Merde. C'est un ancien musée. Certains trucs ont des centaines d'années. Sérieux? Ok, alors ici, ah, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Une paire de ciseaux, on va pouvoir faire. Eh, hey, on peut faire des surins. Et j'en ai déjà 3. Ok, il manque encore du scotch pour le faire. Parce que ils appellent le lien. Ok, attention à la tête. Vite, go. Ouais, avant que ça s'effondre, parce que. Oh merde. Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess. Go. Merde. Ouais, comme par hasard. Ah merde. Alors comment on va faire? Je suppose qu'on doit refaire le tour. Ah non, je suis carrément coincé. Ouais. Ah ok, j'ai pas vu. Faut faire attention, je m'en doutais, il y en a là. Tess. Ah, doucement. Voilà. On va essayer de le choper par derrière. Si j'y arrive à m'approcher. J'espère que les autres m'ont pas repéré. Si, évidemment, celui-là. Et c'est la mort. Putain, c'est pas possible. Attendez. Où est-ce que j'ai atterri là? Oh putain! Je suis revenu aussi là. Ah non, ok, j'arrive. Je pensais que j'étais revenu au début. J'enchaîne les boulettes. Alors, cette fois on fait ça. Qu'on retrouve celui-là. Qui est là, il n'y en a pas d'autre. Il vient par ici.
éteindre la lumière. Je sais pas s'il va nous voir si on ne bouge pas. Est-ce que je peux pas? Voilà, un moins. Encore un qui vient par ici. Ouais, je peux pas, je peux plus faire de surin, c'est vrai. Je suis au maximum. Là, il y en a deux. Il y en a un assez éloigné. On va essayer de passer, marcher derrière lui. Voilà. Comme ça, si on peut le choper. Merde, il revient. Oh putain, j'ai fait tomber quelque chose, mais ils l'ont pas entendu, c'est bon. Ils sont proches l'un de l'autre, donc c'est vraiment risqué. Donc ça, il y en a qui s'éloignent. Voilà. Donc le dernier est ici. Il y a une brique, on va la récupérer. Allez, viens, que je t'attrape. Putain, c'est tendu, hein, n'empêche. Voilà. Par contre, j'ai plus de surin. Alors, du coup, je crois que cela, on peut que les tuer. J'ai intérêt à faire gaffe. J'ai toujours les cocktails Molotov en solution. J'ai encore ce message de merde qui s'affiche, ça commence à me gaver. Faut vraiment que je regarde pour le désactiver, ce truc. Ça gâche toute la vidéo. Il n'y a rien. Alors, du coup, je sais pas où il faut que je passe pour... Alors, attendez. Ah, bah, c'était là qu'ils étaient coincés, c'est ça? Donc, eux, ils étaient dans cette pièce. Ah, où ils sont? Où sont-ils, là? Je sais même plus par où je suis passé, moi. Je suis arrivé de par là. Ok, à gauche, donc on va passer... C'est par là. Voilà, ça doit être ici. On va faire attention, parce que je suppose qu'on n'est pas à l'abri d'une rencontre. Donc là, il n'y a rien, c'est fermé. On va grimper, on va essayer de les retrouver. Hein. Je sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils doivent être dans le coin. Qu'est-ce que je disais? On va éteindre. On va essayer de le choper. On va lui mettre un coup de brique dans la gueule. Non, on essaie juste simplement de l'attraper. Voilà, je peux l'étrangler. Ah non, c'est plus étrangler là, c'est carrément... je lui ai défoncé sa tête. Ouf. Tout juste. Oh, bing. Dans sa gueule. Ah, ça va être chaud. Baston, baston, tiens dans ta gueule. Je vais me laisser tranquille, ouais, tiens. Oh putain. Putain, encore. Ah punaise, je suis en difficulté là. Je suis un peu dans la mise là. Faut vite que je me soigne. C'était bien trop juste. Oh oui. Je suis en train de creux. Clam, c'est... Regardez ce qu'il me reste comme vie quand même.
Je suis juste dans la mouise. Alors, on va peut-être fabriquer quand même cette fois une trousse de soins. Allez, on soigne. Enfin, on reprend une bonne moitié. Bah, franchement, j'ai cru que j'allais y rester. On a eu du bol, hein. Je parle pas beaucoup hein, quand c'est comme ça, mais en fait, je vous raconte pas l'attention. Hein. Je me dis, putain, je vais crever, la honte, je vais devoir recommencer. Alors là, on va pas hésiter à sauvegarder. Parce que je vois que les points de sauvegarde sont assez éloignés entre eux, quand même. Hop, voilà. On écrase. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, je pense qu'il faut passer par là. Il faut grimper aussi, non? Ouais, nickel, c'est ça. Allez, hop, 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 hop. Une, deux, on grimpe. Je sais pas ce qu'on va foutre à l'étage, mais... Oh, putain. Ah, c'est bien foutu, ça. Par contre, les immeubles, l'immeuble me paraît un peu vide, quand même, hein, à l'étage. Ils se sont pas trop foulés, l'intérieur, je trouve. C'est bon, c'est ce bâtiment. Ok. Lequel, alors? Ah, oui, ok, d'accord. Il y a encore du chemin, hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi on est passé par là, en fait. Ah, ok. Ouais, tu veux la mettre où, ta planche, là? T'es bien gentil, mais... Où est-ce qu'il veut la mettre, sa planche, là? Là, peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai eu juste. Mais en même temps, c'est dans la direction à prendre, okay. Donc... Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... D'accord. Comme elle lui a craché la gueule, limite. Oh, la fille qui est avec nous, là, la grande, là, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Hein. Tess, voilà, c'est ça. Je me demande quand est-ce qu'elle crève. Bah oui, parce qu'on sait très bien qu'elle va crever. Ça reste à voir. Mais... Vu qu'après, ils sont plus que deux, là. La vue est magnifique. Allez, par là. Ah. Hé, hey, traîne pas. Tu me rappelles sa fille, certainement. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. D'accord. Tout pigel. J'espère qu'on va pas devoir tous taper quand même à pied. Ah non, ça va, on s'est bien rapproché. C'est juste derrière. Ça aurait été un peu long sinon. Hein. Ah, puis en plus, il commence à faire jour. Ne t'arrête pas. C'est un peu mieux, hein. Pour vous comme pour moi, parce que depuis tout à l'heure, jouer dans le noir, c'est vraiment chiant. Y a rien à récupérer là dans le coin. Non, non. Allez, courte échelle. Hein, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Faut passer par là. Hein. Non? Si, c'est par là. Courte échelle. Allez! C'est obligé que ça soit ça. Non? Ah, il y a un petit monsieur là-bas. Désolé, on récupère tes affaires. Il a le symbole des lucioles sur le bras. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts? Ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Ok, c'est en anglais, merci. Écoute, tout je vous passe le détail. Ok. Il le faut. Alors, je sais pas pour vous, mais pour ceux qui sont encore là, parce que je sais qu'il y en a qui regardent que le début et pas la fin. En tout cas, pour tous ceux qui sont encore là, j'ai une petite question. Ceux qui ont le jeu sur PS4 comme moi, est-ce que votre PS4 tourne à fond la caisse au niveau du ventilo? Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais le ventilo tourne vraiment à fond avec ce jeu, contrairement aux autres jeux. Je sais pas pourquoi, si c'est le jeu qui fait ça. Et est-ce que ça faisait exactement la même chose sur votre PS3? Parce que sur la PS3, moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais je serais curieux de savoir si c'est moi, je suis seul dans ce cas-là, ou... Parce que ma PS4 est quand même bien ventilée, parce qu'elle est juste derrière l'écran, posée comme ça sur le bureau, donc elle est pas confinée. Et c'est vrai que ce jeu fait tourner le ventilateur, mais vraiment au maximum, c'est vraiment bruyant. La PS4 est vraiment bruyante dans ce cas de figure-là. Ah, dites-moi dans les commentaires, hein, c'est juste par curiosité.
Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Désolé pour la petite ellipse, hein, pour le milieu d'épisode. J'essaierai de faire en sorte que ça se reproduise plus. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire et à partager sur les réseaux sociaux. Hein, ça, comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Allez, salut tout le monde.